Les annonces de l'Élysée sur l'impôt sur la fortune et puis sur l'avenir de ces taxes carburant, la manifestation de samedi, le mouvement des Gilets jaunes. C'est avec Michaël Nogal qu'on va parler de tout ça ce matin, qui est député LAREM de Haute-Garonne. Michaël Nogal, bonjour. Bonjour. Alors, l'Élysée a envoyé un communiqué hier pour dire attention, très grande violence redoutée pour la journée de samedi. Et puis alors cette phrase qui est étonnante, il redoute un noyau dur de plusieurs milliers de personnes qui viendraient à Paris pour casser et pour tuer. Oui. C'est énorme, ça. Pour moi, ce n'est pas très étonnant, au vu des événements qu'on a connus ces derniers jours, au vu des déclarations, parfois même des responsables et des porte-parole autoproclamés des Gilets jaunes. Mmh. Encore hier soir, sur une chaîne d'info, un des responsables appelé à envahir l'Élysée. Je ne pense pas que ce sont des paroles sensées et qui vont faire revenir le calme. Donc, la parole que moi je porte en tant que député, en tant qu'élu, c'est un appel au calme auprès de tous les Français, parce que personne n'a intérêt à vous ce que… – Vous dissuadez, par exemple, dans votre circonscription, les Gilets jaunes de venir à Paris ?– Les Gilets jaunes, tous les corps intermédiaires d'ailleurs, et que je remercie, puisque les syndicats ont appelé aussi au calme, et je pense que c'est important qu'ils le fassent. Mais en effet, à Toulouse, comme partout en France, il faut appeler à la responsabilité de chacun. – Alors dites-moi, l'Élysée qui dit qu'il viendrait à Paris pour casser et pour tuer, ça veut dire qu'ils ont des preuves. Pourquoi, comme dans une situation… d'anticipation d'un attentat, eh ben, on ne va pas arrêter des gens dont on sait qu'ils pourraient faire ça. Je ne suis pas responsable du renseignement territorial ni de la DGSI. Ce que je sais, c'est qu'en effet, il suffit de regarder les réseaux sociaux pour ça. Il y a des appels à la violence et il y a des appels au meurtre. Il y a des menaces sur des personnes, sur des y compris sur des gilets jaunes d'ailleurs. Y compris sur des gilets jaunes, puisque apparemment ils se menacent entre eux, ce qui les empêche d'avoir des rendez-vous quand ils sont conviés, notamment à Matignon. Mais en effet… Mais pourquoi ne pas les interpeller, ces gens, tout de suite? Écoutez, moi, je n'ai pas les preuves nécessaires pour vous dire ce que cela justifie. Vous seriez favorable à ça? Non, écoutez, pour l'instant, ceux qui appellent au meurtre sont suivis. Après, encore une fois, c'est la responsabilité de chacun. Et je pense que les Français, beaucoup sur le terrain avec qui j'ai parlé, notamment des Gilets jaunes, ont de vraies revendications, ont de vraies difficultés pour terminer leur fin de mois. Ça, c'est des choses qu'on entend. Maintenant, tous les appels à la violence et le refus du dialogue, ça, évidemment, c'est à proscrire. – On entend que certains demandent, peut-être pas dans la majorité, mais le rétablissement de l'état d'urgence. Vous êtes pour ? Là aussi, c'est à nos forces de l'ordre et au ministre de l'Intérieur de déterminer si les conditions et si les informations dont ils disposent. Sachant que beaucoup de dispositions qui étaient dans l'état d'urgence ont été transposées dans la loi. En effet, avec la loi de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme, exactement. Maintenant, ce seraient des mesures supplémentaires. C'est au ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il faut faire appel à l'armée? Vous y seriez favorable, vous, par exemple? Je ne pense pas que l'armée doit être appelée dans ce cadre-là. Les forces de l'ordre seront de nouveau mobilisées, les CRS comme les gendarmes mobiles. Sur le terrain également, ils font un travail exemplaire. On parle du RAID aussi. J'en profite pour saluer leur travail et les remercier vraiment pour leur engagement, parce que ça fait 3 semaines qu'ils sont, j'allais dire, H24 sur le terrain pour nous protéger. Il ne faut pas que les manifestants, et je le dis en ayant moi-même fait des manifestations dans ma vie, étant plus jeune, dans des mouvements étudiants, les CRS et les gendarmes mobiles sont là pour nous protéger collectivement, sont là pour encadrer les manifestations et pour garantir le droit à chacun de manifester. Il ne faut pas se tromper. – D'accord. Est-ce que vous redoutez néanmoins que ça vire vinaigre, quoi ?– Ben écoutez, oui, évidemment, on a peur du pire. Moi, je suis vraiment très, très inquiet. Ouais. Quand je vois, il faut changer la stratégie, la tactique policière. – Quand je vois les témoignages… C'est très difficile. Moi, je ne veux pas parler on à la place. On avait reproché qu'il y ait trop de forces statiques. Je ne suis pas un professionnel de la sécurité. Ouais. Ce que je vois, c'est que ce mouvement a de particulier la difficulté d'anticiper justement son évolution. Son évolution en termes de nombre, son évolution en termes de déplacement. C'est-à-dire que d'habitude, vous invitez des gens sur un lieu de manifestation, vous avez un parcours qui est prédéterminé. Et l'ensemble des corps intermédiaires, quand ils manifestent, respectent le trajet qui est établi avec la préfecture. Là, vous avez des gens qui se mobilisent sans en référer à la préfecture, sans associer les forces de l'ordre. Donc, c'est des gens qui, en fait, ne veulent pas ni le dialogue, ni la sécurité, leur propre sécurité, comme y compris dans les gilets jaunes. Y compris dans les gilets jaunes. Moi, je ne dissocie pas des casseurs professionnels des gilets jaunes. Vous avez
un mouvement de radicalisation au sein des Gilets jaunes. Et notamment, je le dis encore une fois, même dans les représentants nationaux et ceux qu'on invite sur les plateaux télé, et là aussi, on a collectivement une part de responsabilité, les médias aussi, quand on invite sur un plateau télé avec, à des heures de grande audience, en laissant des personnes proférer des menaces, là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un problème. Vous étiez à l'Assemblée nationale, j'imagine, hier soir, hier après-midi, vous avez écouté le Premier ministre qui nous annonce dans un discours tout à fait solennel que, eh bien, cette taxe sur l'augmentation de la taxe, en tous les cas sur les carburants, va être reportée de 6 mois, après consultation. Et puis, dans la soirée, le président de la République communiquait qui dit, ben non, on ne suspend pas, on supprime tout à fait, complètement cette taxe. Qu'est-ce qui se passe entre l'Élysée et Matignon? Plus rien ne marche. C'est simplement un besoin de clarification. Je crois qu'il y a un effort. Président et Premier ministre, on se parle quand même. Là aussi, c'est important. Il nous disait qu'il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette. Vous vous souvenez dans le temps qu'il les séparait. Il y a eu des décisions qui ont été prises sur la taxe carburant, sur la convergence essence-diesel, sur le gasoil non routier, sur le contrôle technique. Mais ils disent pas la même chose. L'un dit moratoire et l'autre dit on arrête. Il y avait un moratoire de 6 mois sur la taxe carburant notamment. Là, pour clarifier les choses, on dit c'est une annulation pure et simple. Voilà, les Français doivent retenir que c'est une annulation pure et simple. Oui, mais ça fait quand même désordre. Écoutez, c'est une clarification. Il y a des premiers éléments qui ont été apportés hier, justement. Tout à va la bien entre l'Élysée et Matignon. À la mi-journée. Écoutez, je ne suis, suis pas entre le Premier ministre et le président de la République pour connaître leur relation intime. Pour autant, ça ne suffit pas, vous voyez bien. Les sondages montrent que 68 Français sur 10 estiment que les annonces du gouvernement ne répondent pas aux attentes exprimées par les Gilets jaunes, selon un sondage ELAB. Suite à un sondage où les Français estiment que les annonces faites ne méritent pas que les Gilets jaunes manifestent encore une fois. Donc, vous savez, on peut comparer les sondages. Il y a la critique du gouvernement, de l'action gouvernementale, et puis il y a effectivement les manifestations. Il y a une volonté chez les Français de faire part de désaccords sur la méthode parfois qu'on a pu utiliser, sur laquelle en effet on peut revenir, et une envie d'avancer. Je crois que les Français sont plus préoccupés par leur fin de mois que par ce qui se passe à la fois à Paris, à la fois dans le mouvement des Gilets jaunes, au sein duquel les décisions du gouvernement ne satisfont pas les gens, apparemment. Mais parce que le moratoire, c'est préalable à la phase de concertation qu'on va organiser sur le terrain. Il n'y a plus de moratoire, puisque maintenant c'est annulé. On s'y est engagé, nous, parlementaires, à concerter l'ensemble des parties prenantes. C'est annulé. Ça passe par les cours intermédiaires. L'annulation, c'est pour la taxe carburant. Ouais. Maintenant, le dialogue doit s'ouvrir. Il doit y avoir une grande concertation qui doit être ouverte. D'accord. Vous êtes tout à fait satisfait de l'organisation de cette consultation avec une ancienne secrétaire d'État sarkozyste. Là-dessus, je pense que les parlementaires, on a toute légitimité aussi à mener, j'allais dire de manière indépendante et en fonction des territoires, qui sont tous différents, des discussions. On va commencer avec La République En Marche ce week-end à Toulouse. Je suivrai évidemment La consultation ce week-end ? Oui, mais parce qu'en réalité, cette consultation, elle est inhérente même à En Marche. D'accord. On est sur le terrain et les parlementaires sont à l'écoute des Gilets jaunes. On est tous sur les ronds-points, on est tous à l'écoute des Français. Alors, il y a un autre sujet qui est venu s'inviter dans le débat. Et c'est une secrétaire d'État, Mme Schiappa, qui l'a mis sur le tapis. C'est l'histoire de la suppression d'une partie de l'impôt sur la fortune, sur les valeurs mobilières. Ça représente grosso modo 3 milliards d'euros. Là aussi, elle se fait taper sur les doigts. Le communiqué du président de la République hier dit qu'il est hors de question de revenir sur cette suppression. Bon, pourquoi Mme Schiappa a fait ça? On va reprendre les choses dans l'ordre. D'abord, la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, c'était dans le programme du candidat Macron. On l'a voté, voté avec la majorité, avec toujours comme principe, quand on vote une loi, et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec cette nouvelle majorité, de vouloir évaluer ses résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en effet, cette transformation en impôt sur la fortune immobilière, qui vise à réintégrer, j'allais dire, des fonds dans l'économie réelle, dans les investissements pour les entreprises, si ça n'a pas fait ses preuves, en effet, il peut y avoir cette discussion de rétablir l'ISF. Ils disent la même chose. Regardez bien ce qui a été dit. C'est vraiment
on évalue. Et ça, c'était déjà prévu par les parlementaires. Pourquoi Mme Schiappa s'aventure sur ce terrain ? On a mené cette année un premier printemps de l'évaluation, c'est-à-dire qu'on vote le budget à l'automne de chaque année, et ensuite au printemps, on évalue les trajectoires. Ouais. On va faire pareil avec l'ISF. D'accord. Il n'y a aucun tabou. Si en effet l'ISF et notre projet de transformation en impôt sur la fortune immobilière ne porte pas ses fruits, c'est-à-dire vous que le rétablissez. L'argent n'est… Oui, bien sûr, il pourrait être rétabli. Ah oui, et le président de la République est d'accord avec ça. Écoutez, je crois que oui. Donc vous êtes d'accord avec Mme Schiappa. Tout à fait, avec Benjamin Griveaux et avec le président de la République, puisque tout le monde dit la même chose. Pourtant, il semblerait qu'elle se soit fait sérieusement tenser, Mme Schiappa. Pas du tout, je crois que tout le monde dit la même chose et qu'on a communiqué sur cette affaire qui n'en est pas une. Donc de toute manière, si l'évaluation est mauvaise, vous revenez dessus. Eh bien sûr, mais ça vaut pour l'ensemble des lois que nous votons. On a voté une loi logement, vous savez que je travaille beaucoup sur ce sujet. Ouais. Ce sera pareil, on évaluera au fur et à mesure les dispositifs. Si un dispositif n'est pas efficace comme on le pensait initialement… Il y a quand même une cacophonie là-dedans, non ? Ben non, écoutez, là c'est encore une fois, je crois, les médias qui entretiennent aussi une espèce de confusion, alors que le président de la République, le gouvernement par son porte-parole et la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes et aux discriminations sont sur la même ligne. Et je partage ça. – D'accord, donc là, il est hors de question de changer de gouvernement, il est hors de question de rappeler à l'ordre certains… ministre, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je pense que la priorité du moment, c'est rappeler à l'ordre les personnes qui appellent à manifester dans la violence. Ça, oui, c'est comment un ça sujet. Se passe à l'intérieur. Vous êtes venu du Parti socialiste, d'autres viennent d'autres horizons, d'autres origines plutôt. Mm-hmm. Comment ça se passe à l'intérieur de votre majorité parlementaire ? Bien, comme depuis le début, on discute et c'est le fondement. Vous êtes tous d'accord ? D'En Marche, on n'est pas toujours d'accord. On pose des sujets, notamment en réunion de groupe, on échange et puis après on adopte une position commune. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Il y en a certains qui souhaitent un virage social. C'est ce qui fait la richesse de notre mouvement. Ouais. Moi, je crois que la colonne vertébrale aussi, ça a été notre projet. Mmh. Maintenant, il y a besoin de renforcer notre mouvement. Et je sais que l'élection de Stanislas Guérini en tant que délégué général va nous permettre elle justement vous satisfait d'avancer. Cette, bien sûr. Élection. Elle me satisfait. C'est quelqu'un de travailleur qui a fait ses preuves aussi à l'Assemblée et qui pourra conduire, j'en suis sûr, le mouvement En Marche sur tous les territoires. Est-ce que vous êtes favorable à un virage social de la politique gouvernementale ? J'ai pas l'impression qu'on ait oublié les classes populaires et les classes moyennes depuis le début de notre mandat. Bien au contraire. Bah, vous voyez quand moi, même le mouvement des Gilets jaunes. Je suis élu dans une circonscription. Je suis élu dans une circonscription à Toulouse avec les quartiers du Mirail notamment, qui connaissent de nombreuses difficultés. D'abord de l'insécurité, mais aussi en termes d'éducation, avec des moyens qui ont parfois été oubliés, en termes de rénovation urbaine. Ces moyens, aujourd'hui, on les met. On dédouble les classes de CP et de CE1 pour avoir une meilleure formation de nos enfants. Mmh. On améliore la formation professionnelle tout au long de la vie. On améliore l'insertion dans l'emploi. Pas de coup de pouce au SMIC. On ne laisse pas les plus fragiles avec le plan logement d'abord sur le côté. Au contraire, plan pauvreté aussi qui a été salué par l'ensemble des associations. Donc vraiment, je comprends que… Pas de coup de pouce au SMIC. Je comprends que pas pour de coup de certains… Pouce au SMIC. Attendez, je comprends que pour certains, les fins de mois soient difficiles. Moi, j'attire l'attention sur le fait aussi qu'on a fait de nombreux efforts, que la taxe d'habitation, on s'y est peut-être mal pris sur la méthode, mais la taxe d'habitation, c'est en moyenne 600 euros par mois pour les Français, par an pour les Français. On va la supprimer d'ici 3 ans. Donc, je veux dire, c'est des gestes quand même qui sont importants. Pas de coup de pouce au SMIC. Mais le coup de pouce pour le SMIC, en réalité, on l'a déjà fait, et même avec l'augmentation de la prime d'activité et avec la baisse des charges salariales et patronales pour justement augmenter le salaire net. Aujourd'hui, en France, tous les salariés connaissent une augmentation de leur salaire net grâce à la réforme que nous avons menée. Mmh. Maintenant, j'attire aussi l'attention de ceux qui demandent un SMIC à 1300 ou à 1500 euros net. Aller demander aussi aux chefs d'entreprise et je leur demande aussi de prendre leurs responsabilités. Est-ce qu'eux seraient prêts justement à ça? Non, vous allez fragiliser des entreprises comme ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'oublie pas les plus fragiles, on propose des solutions qui voient le jour, peut-être tardivement pour certains Français, je le dis en toute humilité, mais c'est des choix qui vont faire leur preuve. La taxe d'habitation, c'était sur 3 ans. Peut-être, pourquoi pas imaginer que cette échéance soit revue pour que les Français voient plus directement et plus rapidement ce changement dans leur quotidien. Mais sur beaucoup d'autres sujets, sur l'allocation du temps handicapé, on améliore vraiment la situation de tous les Français. – Michaël Nogal, vous êtes optimiste ?– Je suis optimiste, préoccupé par les événements qui pourraient se produire ce week-end, mais optimiste parce qu'on a été élu sur un projet, et là aussi il ne faut pas l'oublier, les manifestations sont totalement légitimes, le droit de manifester est garanti dans notre pays et heureusement, maintenant, il y a une élection présidentielle, il y a une élection législative avec une large majorité.
Je crois qu'il faut d'abord respecter aussi la démocratie. Et ce n'est pas trop ce qu'on entend aujourd'hui, à la fois chez certains responsables politiques, d'ailleurs le nombre de responsables, on pourrait se dire des irresponsables politiques, comme des responsables des Gilets jaunes. On est avec Michaël Nogal, député des LAREM de Haute-Garonne, et on continue avec vos questions, chers internautes, qui seront posées par Julie Coulon-Profisi. Bonjour Julie. Bonjour Yves, bonjour Michaël Nogal. Bonjour. Alors on a plusieurs questions, notamment une question de démocratie qui vous reproche d'avoir été au Parti Socialiste et dit que vous êtes, je cite, un transfuge. Vous retenez quoi de votre engagement au PS ? Alors je me suis engagé très tôt au Parti Socialiste, au mouvement des jeunes socialistes, et je ne regrette rien du tout de mon engagement passé. À l'époque, je faisais partie des soutiens de Dominique Strauss-Kahn et j'ai quitté le PS en 2015 après avoir rencontré Emmanuel Macron et m'être engagé derrière lui au sein des jeunes avec Macron. Dans les tout premiers temps alors Tout à fait, j'ai fait partie des premiers à le rejoindre. Et aujourd'hui, j'ai été aussi référent départemental d'En Marche en Haute-Garonne. Aujourd'hui, je crois que mon parcours politique, mon petit parcours politique est très cohérent. – D'accord. – Alors, une question très concrète de Bobif sur le chat du Figaro.fr. Le fusil d'assaut qui a été dérobé samedi dernier, l'a-t-on retrouvé ? Parce qu'on entend de tout et de rien. – Je vous avoue que je dispose pas de cette information. En effet, c'est préoccupant, mais je crois que les services sont évidemment… sur ce sujet, comme sur l'ensemble des problématiques qui ont été rencontrées à la fois sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Bon, il y a une grande vigilance, évidemment. – Encore une fois, ceux qui font des appels à manifester, à marcher sur l'Élysée, pas à manifester, mais à marcher sur l'Élysée, à commettre des exactions, vous dites il faut les interpeller avant. – Moi, je vous dis le droit, rien que le droit. C'est-à-dire que si le droit permet de condamner une personne qui a clairement… – Interpeller déjà, avant de la condamner. – Explicitement, proférer des menaces… ou encourager des violences, et notamment contre des symboles de la République, en effet, le droit doit s'appliquer. Mais encore une fois, le droit, simplement. – Alors Yves, sur Twitter, vous reproche d'avoir… C'est pas moi. – D'avoir appauvri les retraités. C'est une critique qui revient souvent quand vous êtes dans votre circonscription. – Ça, c'est sans doute une des mesures qui a du mal à passer quand même. – Là aussi… – Les plus délicates à faire comprendre. Les retraités ont été, j'allais dire, se sont sentis… concernés d'abord par l'augmentation de la CSG, qui, je le rappelle, on a considéré que c'était un impôt contre les retraités. La CSG, c'est juste l'impôt qui est le plus largement partagé. Et c'est pour ça que ça a été le levier que l'on a utilisé pour justement mieux rémunérer le travail et mieux rémunérer les actifs. Donc, il y a des mesures de compensation. Pour ceux qui, et c'était totalement assumé, l'augmentation de 1,7 point de la CSG, il y a une petite baisse pour certains. Moi, je me préoccupe de ceux qui sont dans la tranche, je dirais, intermédiaire entre exonération ou pas de la CSG. – Grosso modo, c'est entre 1400 et 2000 euros, c'est ça ?– Exactement, voilà. Et ceux pour qui, évidemment, il faut trouver des compensations, mais on en a déjà apporté un certain nombre. Je pense à la taxe d'habitation, mais il y a beaucoup d'autres dispositifs qu'on a créés pour les Français pour que, justement, l'effort soit clairement partagé et que les retraités ne souffrent pas après avoir donné leur vie aussi au travail. Alors pour Cali, la crise des Gilets jaunes provient du manque de dialogue de la part du gouvernement. Mmh. Donc est-ce que ça se serait passé mieux s'il y avait une concertation avec les corps intermédiaires ? Vous reconnaissez ça, qu'il y a quelqu'un de chez vous, dans votre parti, a dit, un député, a dit on a raté quelque chose. On a certainement raté quelque chose, sinon on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Maintenant, moi je veux attirer aussi l'attention sur… ce n'est pas se dédouaner de nos responsabilités, mais l'écart entre ce qui est fait et ce qui est ressenti. Mmh. Moi, une de mes premières préoccupations, c'est que sur le terrain, quand je parle de certains justement dispositifs qu'on a créés, ils ne sont pas connus sur le terrain. On a voté, je reparle de cette loi logement pour laquelle j'ai beaucoup travaillé avec Julien de Normandie, on a des dispositifs qui vont profiter aux classes populaires, aux classes moyennes et même aux personnes qui sont sans domicile ou dans la très grande précarité, mais ces dispositifs ne sont pas connus aujourd'hui. Notre travail, et c'est peut-être là où ça fait défaut, même si on a lancé une large concertation encore une fois sur cette loi Élan, c'est d'aller sur le terrain, j'allais dire, vraiment tous les jours. Il faut que tous les jours, ce qu'on fait déjà, on le renforce et que les corps intermédiaires aussi participent de cette communication, même quand ils ne sont pas d'accord. Ils ont été trop négligés, les corps intermédiaires, notamment par le président de la République.
On aurait peut-être pu les associer. Moi, je me suis entretenu avec eux. Et c'est vrai que, notamment, dans les 50 auditions que j'ai menées pour la loi logement, on a eu beaucoup de représentants des associations, la Fondation Abbé Pierre, les promoteurs, les bailleurs sociaux. Mais c'est vrai que les syndicats n'ont pas été auditionnés en tant que tels, alors qu'ils sont partie prenante dans différents organismes. Donc, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Ouais. Donc en parlant de la loi Élan, Gérard a une question, il dit que ça va mener à la suppression de 80% des logements pour les handicapés. Est-ce que c'est vrai? Et dans ce cas, qu'est-ce que vous faites pour les handicapés? Alors, merci. Il faut préciser que, oui. Je vous laisse préciser. Voilà, donc dans la loi Élan, ce qu'on fait, c'est qu'on passe dans les constructions neuves de 100% de logements adaptés à 100% de logements évolutifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part d'une situation où on fournit en fait aux personnes en situation de handicap ou alors une personne sans handicap un logement type standard, qui n'est pas adapté à ce même handicap. Et j'attire l'attention des personnes qui nous regardent et des associations. Ce qu'on fait, l'évolutivité du logement, faire en sorte que les futurs logements soient évolutifs, ça veut dire adaptables aux besoins particuliers. Ils ne sont pas adaptés, ils sont adaptables. Ils sont évolutifs et il y en a 20% qui sont déjà adaptés. En réalité, adapté, c'est aux normes PMR. Mmh. Mais vous pouvez avoir un logement aux normes PMR sans qu'il réponde convenablement, personnes à mobilité réduite, qui répondent forcément aux besoins des personnes. L'évolutivité, qui est une des grandes mesures de cette loi Élan, vise. Alors, ce n'est pas forcément bien compris, mais parce qu'aussi, il y a des réactions. Et je dirais, on est assez peu écoutés. Moi, je vais sur le terrain, j'ai lancé un tour de France du logement, je rencontre les associations sur le terrain, et quand elles m'écoutent, elles comprennent le sens de notre action. Donc, il y a un double effort à faire, plus de clarté, encore plus de terrain, et ça veut dire pas seulement notre présence en tant que députés, mais une présence de terrain avec l'ensemble de la société civile. On l'a un peu fait, il faut continuer à le faire et renforcer ce point-là. – Merci Michaël Nogal d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous autres internautes qui avez été interprétés aujourd'hui par une voix, celle de Julie Coulon-Profisy. Merci Julie et à demain si vous le voulez bien.